Salut, c'est encore Jean-François sur la route des commodités à Québec, juste à côté du pavillon Pierre Lassonde au Musée national des Beaux-Arts. Je vous invite à aller voir les capsules précédentes si vous ne l'avez pas encore fait. On parlait des moyens d'investir dans l'or, on parlait des contrats disponibles à Chicago. On a parlé du gold, du mini-gold, du micro-gold. Il y a aussi d'autres contrats plus exotiques, je dirais. Vous pouvez acheter un contrat sur le ratio or-argent. Donc, si vous ne savez pas, vous, si l'or va monter ou s'il va descendre, mais par contre, vous avez une opinion sur le nombre d'onces d'argent qu'il faut pour acheter, pour acheter une once d'or. En ce moment, ce ratio-là est à 73. Mais vous pouvez prendre position dans un contrat sur ce ratio-là. La valeur du contrat, c'est 500 $ fois ce ratio-là. Donc, en ce moment, le ratio est à 73 multiplié par 500 $. Le contrat a une valeur de 36 $500 sur le marché. Encore une fois, il vous faut mettre de l'argent dans votre marge pour prendre position dans un contrat comme ça. La marge requise est de 6 480 $ américains. Voilà pour le contrat sur le ratio gold-silver. Il y a également un autre contrat, lui, non pas sur un ratio, mais bien sur une différence. Si vous ne savez pas encore là si le prix de l'or va monter, si le prix de l'or va descendre, mais par contre, vous avez une bonne intuition sur la différence entre le prix d'une once d'or et le prix d'une once de platine, mais à ce moment-là, il y a un contrat qui s'appelle le gold-platinum spread. En ce moment, l'écart est à environ 1000 $ US par once. Et le contrat est sur une centaine d'onces. Donc, ça fait un contrat de 100 000 $ pour lequel on vous exige une marge de 8 000 $ américains. Donc, voilà, ça fait le tour pour les contrats à la Bourse de Chicago. Tout comme pour le métal argent, si vous souhaitez investir dans l'or, vous pouvez le faire via les fonds négociés en bourse ou les ETF, Exchange Traded Funds, ou les ETCs, Exchange Traded Certificates, ou les ETNs, Exchange Traded Notes. Parmi les ETF, on peut mentionner le Spider Gold Trust. On peut mentionner également le iShares Gold Trust. Il y a également le Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF. Et vous avez aussi la canadienne Horizons qui fait un ETF qui s'appelle le Gold ETF. Donc, quand vous investissez dans une entreprise comme ça, quand vous prenez des parts dans un fonds comme ça, ce fonds-là va détenir l'or physique. Cependant, il y a des coûts à prévoir pour détenir l'or. Donc, il y a des frais là, pour chacun de ces fonds-là. Par exemple, pour le GLD, qui est le Spider Gold Trust, il faut prévoir des frais de 0,4% annuel pour qu'ils prennent soin de l'or pour vous. Si on revient à Horizons, on sait qu'ils font également là, ce qu'on appelle des beta pro, c'est-à-dire des fonds négociés en bourse qui sont à effet levier ou encore à effet levier inverse. Donc, si vous êtes vraiment bullish ou optimiste sur le prix de l'or, à ce moment-là, vous pouvez prendre position dans un contrat qui s'appelle 2X Gold Bull. Donc, si le prix de l'or prend 5% pendant une journée, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec un gain cette journée-là de 10%. Et si vous êtes bearish, c'est-à-dire si vous êtes plutôt pessimiste sur le prix de l'or, à ce moment-là, vous pouvez acheter aussi le moins 2X Gold Bear. Donc voilà pour les différents produits qui vous permettent de prendre position et de bénéficier des mouvements du prix de l'or. Je vous invite à rester avec moi pour la prochaine capsule où est-ce qu'on va parler maintenant des entreprises cotées en bourse dans le domaine de l'or. C'est Jean-François à côté du musée National des Beaux-Arts de Québec, pavillon Pierre Lassonde, sur la route des commodités. À tout de suite. Bye-bye.